Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'acte 6, chapitre 4, quête numéro 4. Aujourd'hui, dernier passage avant de réattaquer le grand maître. Autant le grand maître, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller et je lui dis, je veux finir toutes les lignes avant de retourner sur le grand maître. C'est un peu ma récompense, entre guillemets. Mais voilà, cette ligne-là, je la redoute depuis pas mal de temps. Je la repousse en me disant, oui, au bout d'un moment, je vais peut-être choper Surfeur. Parce que le surfeur est le meilleur personnage pour faire cette ligne. Et que je me dis, vas-y, t'as tenté une vingtaine de features. Au final, j'ai tenté une vingtaine de features, je ne l'ai pas chopé. Donc je me dis, écoute, on va y aller. Je vais souffrir sur cette ligne, elle est horrible. Vraiment, en fait, c'est typiquement le genre de ligne, voilà, qui me font péter des câbles, en fait. Distrack, obligé d'avoir 3 debuffs. Donc contre un Punisher, c'est... En fait, c'est surtout le bulle de protection, en fait, qui me souffle. Le bulle de protection avec Punisher, vous êtes... Au bout de 10, en fait, vous prenez un imbloquable. Donc, faut vraiment faire gaffe à ça. Faut faire gaffe à avoir 3 debuffs, sinon vous pouvez pas taper. Donc, là, j'y vais avec Nick Fury. J'y vais en mode suicide avec Nick Fury. Et c'est tout. Grosso modo, c'est ça. Hein. Je suis obligé, de toute façon. Je suis obligé. Je peux pas faire mieux. J'ai pas mieux comme solution. J'ai pas mieux. Donc, voilà, je vais essayer de faire ce que je peux. Le problème, c'est que voilà, s'il n'est pas actif, ça passera pas. Voilà. Et là, concrètement, vous voyez, là, il est passif. Du coup, je peux pas lui enlever les dégâts comme j'aimerais. Regardez, je n'en ferai presque jamais de dégâts parce qu'il n'y a jamais 3 debuffs, quoi. C'est horrible, franchement. Stalin, c'est horrible. Sans déconner, hein, c'est... Ah, putain, mais ça me met en SP3, merde, putain. c'est horrible, Stalin, putain, j'en peux plus. Je n'en peux plus, et pourtant ça vient de commencer la vidéo. Mais moi c'est pas la première tentative, ça fait 30 minutes que je suis dessus, je n'en peux plus, cette ligne. Je n'en peux plus, je vous le dis. je n'en peux plus, c'est horrible. Regardez, je perds des vies tout seul, et lui, il n'y a rien qui descend. Putain. En fait, il faudrait que j'esquive tout ces SP, mais vas-y, je vais pas esquiver tous les SP de Punisher à chaque fois. Alors il y a peut-être des gars qui aiment tenter le diable, hein. Moi non. Moi non, typiquement. Donc, allez, putain, fais des dégâts là. Allez, il faut faire des critiques. Voilà. Là, il y a des debuffs, ça descend. Allez, putain, fais ton spé, bordel, putain. Vous voyez, là, il est passif. Là, il est passif et du coup, je perds les debuffs. Et je perds tout l'intérêt je perds tout l'intérêt, en fait, du truc. Allez. Allez, fais-moi le spé 1. Allez. Là, je le descends. Allez, s'il te plaît, putain, c'est pas possible, Punisher, allez. Oui, super. Je l'avais jamais passé aussi. Je l'avais jamais passé. Jamais passé avec Nick Fury. Ok. Ok. Donc là, je suis jamais allé plus loin que le Iceman. Le Iceman, j'ai changé. J'ai pris Avok. Avok peut-être me permettre de passer. Je ne sais pas. Si vous voyez cette vidéo, c'est que oui. Il me permet de le passer. Donc là, Torche Humaine. Parce qu'en fait, typiquement, j'aimerais bien y aller avec Torche Humaine sur le Iceman. Mais malheureusement, je peux pas. Donc c'est horrible. Déjà, c'est horrible. Voilà, donc là, le sentinelle, l'objectif, ça va être de prendre un SP1. Voilà, faire monter un petit peu mes charges. Comme ça, maintenant, mon niveau de température sera toujours assez haut. Et comme ça, derrière, je peux taper. Et comme ça, je le passe en Nova assez vite. Et voilà, l'objectif, c'est passer en Nova, c'est... Alors en soi, passer en Nova, au final, c'est pas le meilleur choix. Hein. C'est pas le meilleur choix, forcément. Là, il était imbloquable. Toc.
C'est dur, hein. C'est extrêmement dur. Là, vous voyez, en plus, il ne perd rien parce qu'il n'y a pas de debuff. Là, il repère. Vous voyez? Là, il repère avec les Nova parce qu'il y a des debuffs à côté. Allez, fais-moi ton spé. Ouais. Voilà, et normalement, on est bon, là. Super. Donc là, c'est bon. Ça, il n'y a aucun problème. Sentinelle, je l'ai fait, c'était pareil. Je crois que j'ai perdu encore moins de pourcents. Le problème, ça va être là. Le problème, ça va être là, parce que, en fait, typiquement, le Iceman va m'enlever de ouf. Le truc, c'est qu'avec Avok, normalement, donc déjà, il y a Volonté qui s'active. Alors, il y avait Sentinelle, par exemple, à la base, parce qu'il met des brises armures. Et l'avantage, c'est que les brises armures m'empêchent de prendre la vague de froid derrière. Le problème, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Alors, là, dans mon équipe, oui, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais en gros, il y a donc Nick Fury, qui met énormément de debuffs, qui suivra les vagues de froid, mais qui mettra énormément de debuffs, et maintenant, il est en deuxième vie, donc il tapera fort. C'est l'objectif. Avok, qui lui va résister à l'énergie, et ça va le charger en charge de plasma. Malheureusement, il n'est que R4. À un moment, j'ai hésité à le monter R5, enfin, même, j'avais commencé la vidéo et je m'étais dit, vas-y, on va le monter R5. Et finalement, le problème qui s'est posé, c'est que je n'avais pas assez de catamutants. Donc je me suis dit, je vais pas craquer plein de cristaux pour juste monter un perso. Je préfère mettre quelques petites unités en plus. Enfin, je vais en mettre beaucoup plus même. Je sais pas si ça pourra passer. Ensuite, il y a Black Widow Clairvoyante qui, elle, met énormément de debuffs, mais qui, pareil, pourra perdre beaucoup de vie. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'elle peut régénérer. Ça, c'est cool. Torche humaine qui va être excellent pour cette quête. Hein. Il y a pas mal de persos qui pourra faire, genre le Killmonger par exemple. Voilà, le Killmonger notamment. En vrai, mis à part le Iceman, le Killmonger et le Nick Fury et le Mysterio, ça va. Mais c'est vraiment le Iceman en fait qui va me poser problème. Donc là, on est bon. J'attendais d'avoir juste l'énergie qui revenait. Hein. Donc on est bon. Donc maintenant, bah voilà, c'est là que tout va se jouer, en fait. C'est là que tout va se jouer. Alors, je sais pas si la vague de froid va pas être trop puissante pour Avok. Il a une grosse résistance énergétique, mais peut-être que ça ne suffira pas. Peut-être que ça ne suffira pas, je ne sais pas. Je peux pas vous dire, très franchement, je ne peux pas vous dire. Donc, voilà, on va tenter. On va tenter. Voilà. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, vous voyez. Ça va être extrêmement compliqué. Parce que là, ouais. Oh là là, je la prends. Oh non, je la prends. Oh non, 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 c'est pas possible. Ah, j'ai la flemme de recommencer, je réa, j'en ai marre de cette ligne, vraiment. Ah putain, en vrai, il y a moyen de passer, mais faut pas... Pourquoi j'ai pas donné... Franchement, j'ai donné deux coups dans la garde pour le mettre en SP2. Je comprends pas comment ça lui a pas donné son SP2. Putain, je suis tellement déçu. Ah, oh, je pensais tellement que ça passerait. Putain, je suis tellement déçu. Oh, merde. Ah, je suis super déçu. Écoutez, c'est pas grave, j'en ai marre. Franchement, je vous dis, typiquement, il faudrait que je recommence, là. Il faudrait que je recommence avec le troisième perso. J'en ai marre. Franchement, je vous dis, j'en ai marre. J'en ai beaucoup trop marre de cette quête, de cette... Ouais, j'en ai trop marre, c'est tout. J'en ai trop marre, donc on y va. On y va, au bout d'un moment. Oh, ça lui donne pas son spé, sérieux. Putain, il veut pas faire son spé. Hein. Oh putain, il le lance direct. C'est dommage, hein. Encore une fois, c'est dommage, je suis bien lancé, mais des fois, il veut pas venir dans mes trucs, des fois, ouais, c'est compliqué, hein. Ah, c'est archi compliqué, hein. Bon, il faudrait un Avok R5, typiquement. Il faudrait un Avok R5. Très franchement, je me dis, si je dois balancer 200 unités de plus, plutôt que de mettre du T5B sur Avok, je les mets. Très franchement, je les mets. Donc, ouais, c'est pas optimal, ce que je fais. Je vous dis, je vais mettre peut-être 1000 unités sur la ligne, je vous le dis, c'est... Malheureusement, j'ai pas les persos. J'ai pas le perso, j'ai pas Nick Fury, j'ai pas Surfeur d'argent. Ils veulent pas me le donner. Je peux pas attendre indéfiniment.
C'est comme pour le chapitre 3 au final. Le chapitre 3, pareil, hein. Typiquement, il aurait fallu que j'attende Captain MCU, par exemple. Je peux pas l'attendre indéfiniment. Je peux pas attendre ce genre de perso indéfiniment. Donc au bout d'un moment, je suis obligé de faire quelque chose. Ah putain, mais je vais... Putain, je le perds encore, mais... Putain, lance ton SP2, bordel de merde. Lance ton SP2, s'il te plaît, putain. C'est déjà bien assez compliqué comme ça. Putain, je joue avec un perso qui est R4 en acte 6.4. Putain, c'est tellement n'importe quoi, franchement. C'est ridicule, quoi. J'ai tout pour mettre Surfer à 200, ils veulent pas me le donner. Je suis obligé de jouer avec un putain de Havoc, quoi. Sans déconner, putain. Je mets Réa sur Réa, soin sur soin. Regardez les unités, comment elles ont baissé déjà. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce que je suis obligé de faire à cause de ça. C'est n'importe quoi, franchement, je vous dis, je suis... Typiquement, c'est typique les lignes qui me saoulent. En fait, pourquoi cette ligne me saoule? Parce que j'ai rien pour la passer, et c'est tellement spécifique ce qu'il me faut. C'est tellement spécifique, quelqu'un qui n'a pas de Havoc R5, qui n'a pas le surfeur, qui n'a pas la chance d'avoir le surfeur, comment il fait là-dessus? Comment il fait? Oh, putain, et son spé qui part forcément à ce moment-là. Putain, toujours pas de spé 2, hein. Il veut pas, hein. Il veut pas le lancer, hein. Putain, mais allez, bordel, mais il va le lancer pile à un moment où il faudra pas. Oh non. Ah oh, putain, le zéro, mais bordel, c'est pas possible. Non mais sans déconner, j'ai pas de chance au bout d'un moment. Non, mais c'est pas possible, j'ai pas de chance, quoi. Ça le tue pas à 1000 PV, quoi. Putain. Je suis vraiment obligé de réavoc, là. Je le savais, en plus. Je le savais, mais là, concrètement, je peux pas y aller avec Black Widow. Ben non, c'est impossible, il est immu à tout. Il est immu à tout. Homme-chose, ça passera pas parce qu'il faudra mettre trop de brise armure et le temps de ça me tuera. Ouais, ben ouais, je suis obligé. Putain, je vais rien dire, ça m'énerve. Je mets pas de soin. Par contre, je mets pas de soin. Ouais, non, je vais pas mettre de soin, je vais tenter une fois. S'il faut que je mette des soins, je le ferai, mais je vais essayer sans. Allez, 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 mets la réaction. C'est horrible. C'est horrible. Regardez, c'est ridicule. J'ai mis 350 unités là-dedans. C'est ridicule. C'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Je ne peux rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec tout? Franchement, c'est les seuls persos qui mettent des debuffs, assez de debuffs en tout cas dans mon roster. C'est les seuls. Qu'est-ce que vous voulez? Et en plus, contre un perso comme ça qui est immu à tout, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Impossible. Ah, putain, ça m'énerve. C'est vraiment typique du truc qui m'énerve, quoi. Allez, on va tenter avec Black Widow. Je sais pas si ça pourra passer. Je sais pas. Ok, j'enlève des dégâts et je me remets des vies. Super. Ouais, j'enlève rien, mais j'enlève du pouvoir. Mais le problème, c'est qu'il veut pas faire ses spés. Ouais, fais tes spés un peu, bordel. Putain.
Putain, il veut pas faire ses spé. Ben ouais, il est trop trop chiant, sans déconner. Ouais, je suis obligé de lui gérer son pouvoir. C'est pas normal. C'est pas normal que j'ai à lui gérer son pouvoir comme ça. Ah ouais, c'est pas normal, ça, pareil. Putain, c'est pas normal, tout ça. C'est pas normal, je vous le dis, hein. Je vous le dis, c'est pas normal, tout ça. Il fait pas assez ses spé, il fait pas assez tous ses trucs, hein. Regardez, là je suis obligé d'attendre. Je suis obligé d'attendre et du coup je perds des vies. Je suis obligé. Est-ce que la dixième a déjà été prise en compte? Ah non, elle n'avait pas été prise en compte encore. Possible. Sans déconner, arrête un peu. Putain, il me rend ouf. Il me rend ouf, sans déconner. Allez, putain, mais fais ton spé, sans déconner, c'est pas possible. Non, mais ça me rend dingue. Ça me rend dingue, ces trucs comme ça. Ça me rend dingue, des trucs comme ça. Je vous le dis. Ça me rend dingue. Oh là 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 là. C'est chaud. Allez, putain. Ouais, là. Là, je l'ai pris. Je l'ai pris exprès. Je l'ai pris exprès. Allez! Oh! Vous voyez, mais le problème, c'est ça. C'est que là, je perds du temps. Ben ouais, en plus, je prenais un coup dans la gare. Putain. Ouais. Là, je me remets rien. Forcément, je me remets rien. Et je prends des vagues de froid, en plus. Ah ouais, tu tapes pas, putain, c'est pas possible. Ah, je peux rien faire. Ah oui, ça me régène un peu, mais le problème c'est que je prends trop de vagues de froid. Je prends beaucoup trop de vagues de froid, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. En fait, s'il était bien actif, j'aurais toujours assez de debuff. Vous voyez? Le problème c'est que là, il est pas actif, donc j'ai jamais assez de debuff. Eh ouais, oh là là, j'ai de la chance encore une fois. Oh, j'ai de la chance. Bon, j'ai assez de debuff. Allez, ça tue. Oui, ça tue. Mais vous voyez, je prends beaucoup trop de PV. Je peux pas faire toute une ligne comme ça. C'est pas possible. C'est complètement contre nature. Il me reste encore ouais, 5 persos. C'est horrible. C'est horrible. Je vous le dis. Je vous le dis assez. Hein. Je suis vraiment désolé hein, de vous le rabâcher. Mais c'est horrible. Donc là, je vais le faire avec Avok. On va voir. On va voir ce que ça donne. Je peux même pas. Ah oh ouais, je peux pas faire l'attaque puissante. Putain, j'ai stupéfié par. J'ai tout ce que tu veux au max. Putain, c'est n'importe quoi. Nick Fury, ça passera pas. Lui, ça passera pas. Elle, ça passera pas. Les debuffs dureront pas assez longtemps. C'est Havoc, forcément. Pareil, hein. Pareil. Non, mais sans déconner. Ils mettent quand même. Ils mettent quand même un perso où t'es obligé d'avoir un certain nombre de debuffs et tout. Et ils le mettent genre comme ça, comme enfin ils mettent Malicia quoi. Donc là je suis obligé, enfin ouais je vois pas comment je vais pouvoir passer encore une fois là. Donc écoutez, je vais faire les vagues de froid et je sais pas. Je vais attendre son spé. Ouais mais ouais mais même le débat de variation. Enfin ouais, ça sert à rien. Ça, je vais juste taper en fait. Juste taper des SP2, en fait. Ouais, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux rien faire de plus. Parce que même. Regardez, même ça, même. Regardez, même la réaction. Ouais, ça va. En vrai, ça va. Ah ouais, non, ça c'est nul, ça c'est nul. Oh, c'est nul ce que je viens de faire. Je me suis dit, vas-y, il faut essayer de contre-attaquer derrière un truc. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Ouais, en fait, pour cette ligne-là, faut soit surfeur d'argent, ça doit passer de ouf. De ouf. Pas trop sur cette Malicia, mais ça doit bien passer dans la globalité. Mais ouais, non, c'est horrible. C'est horrible. Avec n'importe quoi, c'est horrible. Donc ouais, faut juste taper, en fait, avec Avok, hein, comme un débile. Comme un débile, il n'y a vraiment rien de marrant.
Il y a vraiment rien de marrant. Voilà. Hop, je contre-attaque derrière ses spés, c'est mieux. Ok, super. Je perds quand même des vies, hein. Même si j'ai une meilleure résistance énergétique que d'autres, je perds quand même des vies. Mais bon, on lui enlève quand même des vies. Ah, pourquoi? Ah oh, putain, ouais sérieux, elle a contre-attaqué direct. Hein. J'étais en train de partir, moi. J'étais vraiment en train de partir. Mais trop dur, quoi. Trop dur, pareil, hein. Trop dur. Putain, le problème, c'est que là, je suis en train de jouer avec un R4. C'est complètement, mais contre nature, quoi. J'ai un roster quand même assez complet, quand même, je pense. J'ai des immus de partout. J'ai des trucs qui mettent des debuffs, des debuffs. J'ai des trucs pour les évasions. J'ai des trucs pour les compétences. J'ai des trucs pour tout. Mais ça. C'est comme le. Bah, en fait, c'est juste, il me donne pas les bons tirages, en fait. Bon, après, je pourrais le faire avec Avoc, mais vas-y, il faut que je monte un perso R4 parce que c'est le meilleur sur la ligne. Vas-y, je vais pas faire. C'est pas possible, on peut pas faire ça dès qu'il y a un truc qui nous embête. C'est. Enfin. En soi, j'ai les katas, hein. J'ai les katas, mais. Je vais pas faire ça à chaque fois, enfin, je peux pas, c'est pas viable, on peut pas jouer comme ça. Oh là là, non, Léo, putain, c'est pas possible. Ah, j'ai pas de chance en plus. Allez, putain. Allez, bordel! Là, c'est parfait parce qu'en fait, j'ai que très peu de vagues de froid. Donc, en fait, ça me fait régène de ouf. Ah, ça va. J'ai de la chance qu'elle m'ait pas achevé. Hein. J'aurais mérité. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Ok. Là, on arrive sur du gameplay un peu plus classique. Il y a Mysterio et Killmonger. C'est les deux derniers, normalement, qui sont chiants. Derrière, on est plutôt pas mal. Alors, Avok. Normalement, ça passe, non, sur Killmonger. Qui met des dégâts d'énergie. Donc on va partir comme ça. On va le passer lui, et ensuite on passera les autres. Ah ouais non. Ah bah non. Ah ouais non. Bah oui. Ah oui. Ah bah oui. Mais comme il gagne des debuffs tout le temps. Ah ouais. Non. Bah ouais. Là c'est pas possible. Ah ouais. Ouais. Bah ouais. C'est débile. C'est débile. Mais pff, non mais sans déconner quoi. Sans déconner. Vous voulez que je fasse ça comment? Je vais le faire avec torche. Bah ben non, non, il faudrait un brise-armure là. Il faudrait un brise-armure, mais je peux pas tout prendre. Je peux pas tout prendre. Donc ouais. Pff, ouais, mais j'aurai jamais trois debuffs. Allez, oh putain. Ouais, mais là, ça va être ingérable. Ça va être ingérable. En fait, le problème, c'est que les debuffs durent pas assez longtemps, parce que je charge pas assez ma température. Et le problème, c'est que comme il me fait pas de dégâts énergétiques, je peux pas lui enlever de dégâts, là. De toute façon, il est irrésistible. Mais au moins,
Ouais, je passe en Nova, mais ça sert à rien. Ça a aucun intérêt. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va être un combat très très long, mais en théorie, ça peut le faire. Ah, je peux rien faire. Là, je peux. Vous voyez, là, typiquement, c'est chiant parce que mes Nova ne servent à rien. Là là, ouais, non, là, je suis mort. Ah, ouais, je suis mort. Ah, c'est. C'est pareil, là. C'est tellement n'importe quoi, ça. Non, mais. On peut en parler quand même, que c'est déconné, quand même. Enfin, je trouve. C'est un peu déconné. On va tenter Manfig, mais ça me paraît totalement abusé aussi. Parce que là, je vais prendre vague de froid sur vague de froid. Bon, pour l'instant, je ne tombe pas. Ouais, si. Voilà. Hop, alors. Toc. Toc. Et là, normalement, je ne peux plus en prendre. Allez, allez, fais-moi ton spé. Voilà, super. J'ai pas droit. Là, je me régène un peu. Putain, mais. Il galère à venir quand même, hein! Je régène un peu, hein. Mais léger, hein. Léger, léger. L'avantage, c'est qu'en fait, il gagne pas de pouvoir. Avec Manfing. En fait, je sais que j'ai pris Manfing pour Mysterio, pour lui, mais. Allez, donne-lui son SP2. Ah, il lui donne pas son SP2. Toc. Allez. Ouais, super. En fait, c'est complètement un légume, là. C'est complètement un putain de légume. Non, putain, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je contre-attaque comme ça? C'est n'importe quoi. Ah, et par contre, avec dispersion mystique, c'est génial. Hein. Bon, par contre, là, il commence à taper fort dans ma garde. Hein. Allez. Oh là 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 là, Manfing, bordel, il est R4! Oh! Ok. Bon. Franchement, pas mal. Pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Là, en fait, le problème, c'est que, par exemple, Sentinelle, là où Manfing est bien meilleur que Sentinelle sur une ligne comme ça, c'est que déjà les brises armures durent plus longtemps, durent très très longtemps, qu'il y a les dégâts de poison. Mais c'est surtout que, il va régène, aussi. Mais c'est surtout que, bah, Sentinelle, en fait, pour que les brises armures durent longtemps, il faut que les 100 charges d'analyse soient atteints. Et en fait, bah, vous serez mort avant que les 100 charges d'analyse soient atteints, donc c'est le problème. Ok, alors, Mysterio, ça va être chiant. Pareil, ça va être extrêmement chiant. Le but, ça serait de l'emmener en SP2 à chaque fois. Je vais passer l'homme chose. Je pense que ça va être léger, parce que j'ai 18% de santé. Ah, non, ça va être léger. Ça va être léger parce que là je vais prendre trop. Ouais, je prends trop. Je prends trop, il faudrait. Ouais, la régène ne va pas suffire. Je prends 9 vagues de froid, ça sera pas possible. Ok, alors Nick Fury. Nick Fury, est-ce que Nick Fury peut passer? Ça le problème, c'est est-ce qu'il peut passer? Est-ce qu'il va pouvoir enlever assez de dégâts? Parce que si c'est genre pour enlever rien, ça n'a aucun intérêt. Allez. Ah ouais, non, ça n'a aucun intérêt là.
Le spear est pas ouf. Le spear est pas ouf. Ouais, c'est pas mal, l'écurie. C'est pas mal. Surtout que avec un SP1, les attaques manquées marchent plus. Là, le problème, c'est que j'ai foutu à un mauvais moment, mais en soi, c'est pas mal. On va passer Nick Fury sur Mysterio. On va le faire, ça va le faire en 2-3 réas, quoi, un truc comme ça. Si on peut essayer d'éviter de mettre les 1000 unités, si on peut mettre un peu moins, ça peut être cool, quoi, sur cette ligne. Je prends cher direct, hein. Ah ouais, là c'est compliqué. Bah écoute, on laisse passer. Est-ce que... Ouais. Allez, ça tue ou pas? Est-ce que ça tuerait pas là? Ah ça tue pas! Ah oh, ça tue pas, bordel! Aïe aïe aïe, 4%, dommage! Dommage, dommage! Dommage, dommage! Est-ce que Black Widow Clairvoyante ça passerait pas? Pour finir les pourcents. En vrai, il y a moyen quand même. Une attaque puissante, une deuxième, ça passe. Une première. Ah bah la première passe. Ah, ça met les trucs. Ah, c'est cool ça. Ok. Alors, maintenant, nous avons Gwenpool. Alors, Gwenpool, normalement, c'est plutôt tranquille. Normalement. Donc Gwenpool, comment on va s'en sortir? Black Widow, on va la garder, du coup, pour le boss final. Je vais aller avec Torche. En théorie, Torche, c'est plutôt safe. Alors par contre, il y a un truc que je comprends pas avec Torche, c'est pourquoi, d'ailleurs, pourquoi il gagne pas de vagues de... Enfin, pourquoi il gagne pas de combustion lente en tapant? Parce qu'au final, il prend des vagues de froid. Donc normalement, il devrait gagner des combustions lentes. Or là, il n'en gagne pas du tout. Donc peut-être parce que les dégâts sur les dégâts sur les sur pas sur la durée mais les dégâts énergétiques, peut-être que si on tape que avec l'énergétique, on prend pas les dégâts de vague de froid. Peut-être, je sais pas. Bon, là ça va être long en théorie. Ah, par contre, faut pas que je prenne trop de coups dans la garde, par contre. Ah, je prends pas là-dessus? Ah, sérieux? C'est abusé. Ok, on n'en prend pas dessus. Ok, ça marche. C'est bizarre. Parce qu'en fait, j'aurais pu y aller avec Nick Fury, ça aurait été plus rapide, mais je pense que j'aurais pas pu one shot. J'aurais pas pu one shot avec Nick Fury. Là, avec Torche, en théorie, je peux one shot. Quand c'est un gameplay un peu plus classique comme là, Gwenpool, hein, vous voyez, il n'y a pas de réduction de debuff, de trucs, il n'y a pas de renvoi de dégâts, il n'y a pas de gain de pouvoir quand il y a les dégâts. Enfin, vous voyez, là c'est plus classique, bah, ça passe tranquille avec Torche. Hein. Torche, en théorie, c'est quand même un des meilleurs persos pour cette ligne. Mais vous voyez qu'il y a certains persos où il ne pourra pas passer. Notamment, voilà, par exemple sur ouais, Killmonger, c'est compliqué. Malicia, ça sera impossible, il n'y aura jamais assez de temps de debuff, par exemple. Enfin voilà, tous les trucs comme ça, quoi. Et c'est ce qui m'embête un peu, c'est qu'au final, enfin, c'est pas mauvais du tout, hein, Torche là-dessus. Mais il y a beaucoup de persos là qui ont été mis, bah, par exemple le Iceman. Concrètement, je pourrais passer en Nova. Le problème, c'est que les Nova ne comptent pas comme des debuffs pour ça. Ça compte pour des debuffs dans les compétences de Torche humaine, mais pas selon les bornes. Alors là, du coup, livraison spéciale saignement améliorée. Donc il faudra que je fasse. Ah, il faut que je fasse des spé. Ok. Alors là, ça va être chiant. Parce qu'on n'aura jamais assez de...
Ouais, dommage. Ça sert pas à grand chose ce que je viens de faire. Très très long comme combat. Hein. Ouais, ça va être extrêmement long. Hein. Pouh. Ah ouais. Nick Fury. Nick Fury, ça serait pas mieux? Est-ce que Nick Fury, ça serait pas mieux là-dessus? Parce que Manfing, pas ouf. Avoc aura le malus de classe. Black Widow, elle sera émue, mais ce sera pas du tout son gameplay de faire des spé toutes les X secondes. Enfin, là, ça sera pas du tout son gameplay. On va forcer avec Nick Fury, hein. Ah ouais, par contre, va falloir qu'il vienne, hein. Allez, viens! Oh putain! Ah, pour... ah j'ai pas gagné mon pouvoir! Ah ouais, il aurait fallu que je fasse un. Pff, vraiment, en 3 combos avec attaque rapide derrière, je gagne pas mon SP1, c'est quoi ce bordel? À quel moment? Ah ouais, faut faire. Ouais, il faudrait que je fasse une attaque moyenne à un moment. Ouais. Ouais, d'accord. Ok, ouais.